Hey les pingouins, j'espère que vous allez bien et que vous êtes au taquet et je n'ai jamais parlé aussi vite de ma vie. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate et j'espère que les choses se passent plutôt bien pour vous. Aujourd'hui, on est samedi, il est assez tard, je suis désolée, j'ai toujours mon invité auprès de moi, donc c'est vrai que c'est assez compliqué de faire des vidéos. Mais ça en va demain, donc du coup je pourrais reprendre mon rythme habituel du coup à partir de demain. Voilà. Sur ce, et bien du coup j'arrête de raconter ma vie, je te laisse avec le tirage et n'oublie pas de passer sur Utip. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Bisous les pingouins. Alors, on va changer un petit peu de jeu. Voyons voir un petit peu ce qui se passe. Alors, ici, on nous dit que la patience est demandée pour la féminine. Attention aux dépenses imprévues. On va pas liquider les stocks du rayon papier toilette à Lidl. On agit de manière réfléchie. On évite de sortir tout le portefeuille pour... On évite de sortir le portefeuille ce week-end, visiblement. C'est pas le bon moment pour dépenser. Donc si vous vouliez acheter quelque chose ou quoi, ou n'importe quoi, que vous aviez une envie ou quoi que ce soit, bon, du coup, je vous le dis, on est samedi soir. Enfin, le temps que la vidéo se poste, on sera samedi soir. C'est un peu tard. Mais voilà, essayez de le reporter à la semaine prochaine. On a aussi quelques petites incompréhensions qui vont venir pour la féminine durant le week-end. Alors, ensuite, on a une féminine qui retrouve des sentiments un petit peu plus solides, un petit peu plus stables. On a ici une idée de retour de stabilité et c'est plutôt bienvenu. Hein, on en conviendra, c'est plutôt bienvenu. En plus, du coup, vu qu'on retourne vers la stabilité, on a une surprise plutôt agréable qui arrive. Donc, on fait comme si je vous avais rien dit. Attention quand même à tout ce qui va être mauvais choix, tout ce qui va être justement sacrifice. Ça va être un week-end où on va un petit peu nous faire des tests en gros. Donc là, on reste sur ces bases, on reste sur cette solidité, on reste sur cet aspect vraiment très, très carré, on va dire. On reste nous-mêmes, tout simplement. Et si on sent qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes, eh ben, on va pas vers ça. On fait machine arrière, tu vois, tu cours en courant dans le sens inverse. On a ensuite l'amoureux qui arrive, l'amoureux qui est là plutôt, lui qui vient de sortir, on va dire l'amoureux qui est là, qui est plutôt hésitant, plutôt timide. On sent qu'il y a des belles énergies quand même chez la féminine. Il y a des compromis qui seront à faire du coup avec cet amoureux qui ne sait pas trop comment s'y prendre, qui ne sait pas trop comment revenir aussi. Il y a des compromis à faire avec le masculin ou avec une âme sœur, possiblement. En tout cas, on a ici un bon début, on a une bonne augure, on a un bon début de relation qui se pointe là, qui est peut-être déjà en place depuis la semaine dernière pour certaines. Mais là, on repart en tout cas sur de bonnes bases. C'est une personne qui est sincère. C'est une personne qui hésite un petit peu à revenir vers vous parce que bah il s'est un petit peu rendu compte qu'il y avait des choses qui n'avaient pas trop été, hein, comme on l'a vu dans la canalisation de la semaine dernière, du week-end dernier. Du coup, il ne sait pas trop comment revenir. Il se sent un petit peu honteux, comme on avait dit, et un petit peu patraque par rapport à tout ça. Mais comme il voit que la féminine, elle reprend ses énergies, elle reprend son moral et tout, bah... Il a envie un petit peu de faire partie de ce beau côté un petit peu, quoi. On annonce un coup de chance pour la féminine. C'est dommage parce que le vendredi 13 avec le loto, bah c'était hier. Enfin, du coup, c'était vendredi. C'est dommage. J'aurais été gentil qu'on ait tous de la chance pour tous jouer au loto et pour qu'on puisse tous un petit peu se partager tout ça. Ça aurait pas été de refus. Du coup, les dépenses qu'on aurait fait ce week-end, ça aurait été un petit peu amorti. Bon. Ça vient un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'on va avoir de la chance pour ce week-end et possiblement de la chance pour la semaine qui vient. C'est aussi bon à prendre. C'est pas grave, j'aurai au loto la semaine prochaine. Attention quand même, hein, jouer comporte des risques, on peut avoir des addictions, etc., etc. Petit point d'information important.
Alors, ensuite, on a quand même cette blessure de rejet qui revient hein, chez la féminine. Elle a été très présente ces derniers temps, elle a été très présente durant tout le mois de février là. La blessure de rejet qui est en rapport avec le parent du même sexe, donc soit la mère si vous êtes une femme, soit le père si vous êtes un homme. Et on indique justement une présence du sexe opposé qui vient un petit peu renforcer les défenses, renforcer la protection par rapport à cette personne-là, par rapport à votre parent du coup qui vous a inculqué la blessure de rejet, qui l'a créée. On a une personne qui vient vraiment en signe protecteur, qui vient vraiment ici vous dire bah tu peux totalement te défaire de cette personne-là, c'est juste une histoire de perception. Tu vaux beaucoup mieux que ça et tout ce que cette personne-là t'a dit pendant ton enfance et qui t'a absolument bousillé, c'est pas vrai. C'est pas vrai, moi c'est pas ce que je vois chez toi. Je vois que c'est vraiment votre masculin, votre autre qui vient vous dire bah non, moi je t'aime avec tes qualités et tes défauts. Et les choses que vraiment cette personne-là t'a mis dans la tête ne sont absolument pas vraies parce que moi c'est pas ce que je vois chez toi quoi. Si c'est une personne qui a passé son temps à te dire que tu étais moche, et ben moi je trouve que tu es une personne magnifique. Si c'est une personne qui a passé son temps à te dire que tu étais nulle, et ben moi je te trouve absolument merveilleuse. Je ne trouve absolument pas que tu es nulle. Et c'est important de se l'entendre dire aussi. Vous n'êtes pas nulle, vous n'êtes pas moche, non. Tout ce qu'on vous a critiqué durant votre enfance et autres n'est absolument pas vrai. Absolument pas vrai, ce n'est pas la personne que vous êtes aujourd'hui. On a la carte ici de la chance, encore. Donc vraiment là, ça va être un bon week-end, ça va être une bonne semaine. On a des déplacements, donc peut-être pas en dehors, parce que il me semble que en ce moment on est un petit peu pas en quarantaine, mais pas loin. On a vraiment ici, en tout cas, cette notion de dynamisme, pas de déplacement dans le sens géographique, mais de déplacement dans le sens j'ai envie de faire des choses, je retrouve ma patate là. On a des féminines au taquet là, c'est bien, c'est ça qu'on veut. On a vraiment ici ce côté chanceux, ce côté je reprends mes énergies, ce côté je reprends le pouvoir. On a une féminine qui se rend compte qu'il y a des personnes avec qui elle a dû faire le tri, mais que justement c'était pour du mieux parce que du coup elle peut voir qui était vraiment cool avec elle et qui était plutôt faux. On a ici justement cette personne qui a créé la blessure de rejet. On a ici la carte de la guérison qui suit la blessure de rejet. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ça veut dire que la féminine est dans un bon cheminement pour régler toutes les blessures qui sont en lien avec le sexe avec la personne du même sexe, avec le parent du même sexe. Forcément, on a toujours quelques petits doutes qui persistent. Par rapport, bah, c'est une construction, on a subi ces critiques-là toute notre vie, donc c'est normal d'avoir encore des doutes par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on dégage, mais il y a quand même un grand, grand, grand mieux, on a une grande satisfaction qui arrive et on a une plutôt bonne prospérité. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour la féminine. Bouh, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi, du coup, de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail. Sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici
le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour le masculin, petite flamèche, voyons voir comment ça se passe un petit peu pour toi. On a des opportunités à saisir pour le masculin. Et est-ce qu'il y a une autre petite carte, un autre petit message? Non. Alors, on a des opportunités à saisir pour le masculin. Voyons voir un petit peu comment ça va se passer ce week-end. On a une situation difficile. Bon, le masculin, visiblement, ça commence pas très fort. Situation un petit peu précaire, notamment par rapport à l'aspect un petit peu finance. Pareil, le masculin, il a visiblement acheté des choses qu'il aurait peut-être pas dû acheter. Où on a de la culpabilité par rapport à tout ça. Genre, ah là là, pourquoi est-ce que j'ai acheté tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce truc qui au final ne va me servir à rien? On a de la culpabilité par rapport aux finances en tout cas. Néanmoins, niveau sentimental pour le masculin, il y a ici des obstacles, il y a quelques petits tracas. On sent qu'il est un petit peu ennuyé, justement, comme on l'a vu avec la féminine, il se sent un petit peu honteux de revenir vers elle. Il se sent ennuyé de revenir vers elle dans le sens où bah, il se sent pas vraiment légitime d'être auprès de sa féminine après tout ce qui s'est passé, quoi. Donc là, du coup, on lui signale quand même un grand présage, un bon présage plutôt, une grande réussite, notamment du côté des finances. Donc là, il va falloir qu'il reparte dans sa stabilité. Le côté aussi, je me sens pas très bien sur le plan matériel, sur le plan vraiment matériel, pas dans la matière, c'est-à-dire les objets, la finance et tout machin. C'est un petit peu le point fort du masculin, donc il faut qu'il puisse se rétablir un petit peu de ce côté-là avant de revenir vraiment vers la féminine. Parce que du coup, il se sent encore moins légitime. Je suis le masculin, je suis la personne qui apporte la sécurité matérielle. Mais bah, là, j'ai rien. Je me sens pas bien matériellement parlant. Je me sens pas bien financièrement parlant. Je me sens pas bien dans ma vie sur tous ces points de vue-là. C'est un petit peu le bordel, c'est un petit peu précaire. Et en plus, je lui ai fait du mal. Comment est-ce que je peux revenir vers elle avec tout ça? Donc retrouve ta stabilité masculin et tu verras déjà qu'après ça ira un peu mieux. On a ici des difficultés, on a des obstacles, on a un masculin qui va être assez bloqué ce week-end. Mais on annonce quand même un regain d'énergie, un regain de nouveau, notamment par rapport au sentimental. Ici, on parle bien de sécurité et de stabilité. Donc c'est bien parce que c'est justement les attributs qui manquent un petit peu au masculin, qui ont manqué un petit peu cette semaine. Le sentiment de sécurité, le sentiment de stabilité. Ici, on dit que tout ça, ça va être réglé. Donc là, à partir de ce week-end, il y a des opportunités justement qui vont être données au masculin pour pouvoir sortir un petit peu de tout ça. On a ensuite une situation ambiguë qui va s'éclaircir. On a vraiment ce côté... Là, je suis dans un instant vraiment qui balance un petit peu, qui ne sait pas trop où se situer, droite, gauche. Là, ça va s'éclaircir et justement, il va pouvoir remettre un petit peu la balance à niveau. On a chez lui, par contre, la blessure d'abandon. Donc lui, ça va être le parent du sexe opposé. Donc si c'est un homme, ça va être sa mère. Si c'est une femme, du coup, ça va être son père. On a la blessure de trahison, on a la blessure d'abandon qui est un petit peu en train de ressortir là ce week-end. Ce qui fait du coup pas mal de difficultés et justement il peut, voilà, quand vous êtes pas bien, bah, vous faites du shopping, et ben c'est exactement pareil. Là, le shopping, dépenser de l'argent, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment ça augmente le moral. Voilà. On a justement une personne qui a besoin de renouer avec son autorité, on a une personne qui doit vraiment retrouver sa puissance. C'est une personne qui, le masculin est censé être une personne qui est dans la protection, à la fois la protection de lui-même, mais aussi la protection d'autrui. Le problème, c'est que là, il est trop dans la protection de lui-même. Donc du coup, il y a un déséquilibre. En se protégeant soi-même, il oublie de protéger les autres. Donc là, il va falloir régler aussi cette blessure d'abandon, là. Sinon, bah, l'instabilité, elle va continuer. Cette blessure d'abandon, elle entraîne justement cette instabilité qu'on voit un petit peu depuis le départ. Et cette blessure-là, elle va ressortir énormément du coup ce week-end. Donc c'est pour ça que le masculin, il va pas être très très au top. Il va sentir un petit peu
en rivalité. Il est possible que ce parent-là ait fait une sorte de préférence parmi les frères et sœurs, par exemple, ou avec des cousins ou avec des voisins, mais le masculin ne s'est pas senti vraiment aimé par cette personne-là. Donc là, du coup, on a une impression de mensonge dans l'amour, et c'est ça qu'il va falloir régler en premier lieu. On a de la colère qui va ressortir, on a un besoin de changement qui va sortir aussi, besoin de s'expatrier un petit peu, besoin de partir, encore une fois, peut-être pas spécialement du pays, mais parce que c'est pas trop possible en ce moment, mais au moins de la ville, vraiment besoin de sortir, besoin de s'évader, besoin de revenir à la nature, besoin de revenir à soi, de renouer un petit peu avec ses passions, de faire des choses qui permettent justement d'aller un peu mieux, quoi. On a ensuite beaucoup de méfiance par rapport à des malentendus, beaucoup de sentiments d'avoir été volé quelque part, d'avoir été trahi, d'avoir été violé. Donc ouais, il y a vraiment cette volé, pas violé, volé. Même si les deux se rejoignent un petit peu. Donc du coup, beaucoup de blessures de trahison qui vont sortir, mais la trahison cache la blessure d'abandon, toujours. Si vous avez la blessure de trahison, c'est que vous avez derrière la blessure d'abandon. Et ouais, c'est dû à une personne qui a été très captatrice, qui a été très manipulatrice aussi. Encore une fois, c'est lié aux parents, pas spécialement aux énergies tierces, hein. Moi, je vois plus les parents que les énergies tierces, là. Donc du coup, l'opportunité qu'on va lui proposer pour régler un petit peu tout ça, c'est rencontrer quelqu'un qui connaît peut-être déjà, mais une personne, un ami qui va vraiment lui permettre de se détacher de tout ça, de cette blessure-là, qui va lui permettre de guérir cette blessure-là. Ça va lui accorder un petit peu de répit, un petit peu de réflexion. Et du coup, on va vers la fin d'un éloignement, on va vers une nouvelle reprise, on va vers une relation qui va être un petit peu mieux une fois qu'on aura enlevé ses plus grosses blessures. Donc le rejet pour la féminine et l'abandon pour le masculin. On a ensuite une personne qui va se déplacer, donc qui va vers du mouvement. Là, vraiment, je sens que si le masculin arrive à enlever cette blessure d'abandon, cette blessure de trahison, là, on a un masculin qui pourrait revenir vers sa féminine de façon beaucoup plus claire, prête à faire des compromis et qui va être au mieux de sa forme et surtout au mieux de son mental. Parce que du coup, hein, c'est un petit peu les blessures qui bousillent un petit peu cette relation. Donc, ça ne peut être que pour du mieux. Voilà les pingouins, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies de ce week-end qui s'annonce. Voilà. Donc, du coup, pour ce dimanche, vu que je poste cette vidéo le soir pour ce dimanche et ce lundi. Et voilà. N'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as, bah, si tu l'as aimée, tout simplement. Si, voilà. Sur ce, eh ben moi je te souhaite une très 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 bonne fin de week-end. Prenez soin de vous, encore une fois, c'est le plus important. N'hésitez pas à prendre aussi des nouvelles de vos proches. Et voilà. Attention aussi du coup à un petit peu tout ce qui se passe. Les gens deviennent un petit peu agressifs, on va dire, quand j'ai été acheter du poulet à Lidl. Il y a un mec qui m'a coupé la route pour aller à la caisse et j'ai cru qu'il allait mettre un poing dans la figure parce que j'ai simplement dit excusez-moi monsieur, mais j'étais là avant en fait. Voilà. Voilà. Les gens deviennent fous. Donc faites attention à vous. Ne vous laissez pas embarquer par justement cette folitude, cette ambiance un petit peu pesante qui nous rend tous un petit peu tarés. Faites vraiment très attention à vous les pingouins, restez dans la lumière, restez dans votre bulle. Quand vous vous déplacez, quand vous êtes dans des supermarchés ou autres, mettez votre bulle de lumière. Imaginez tout simplement une bulle de lumière autour de vous pour vous protéger de tous ces impacts négatifs-là. Parce que... Voilà. Et moi, je vous fais du coup d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.